Je pense qu'il faut plus trop scinder les choses. Je pense qu'on a besoin aujourd'hui un peu de vrai aussi. Et je pense que Bison Chic est arrivé à maturité parce que c'est ce que je suis complètement. Est-ce que je suis un solo ou un groupe? Je dirais, je suis une personne qui évolue en groupe. Toujours ici là, toujours ici bas, le soir. C'est un groupe qui évolue sur scène avec Maxime Lunel qui est à la guitare, aux machines, Harmonie qui est au chœur et synthé, mélotron, guitare et Valentin Barbier qui est à la batterie. C'est plus par rapport au fait que ce soit un set court, 6 morceaux, et du coup le morceau numéro 2 qu'il arrive aussi vite. Peut-être, ouais. Non, mais menottes en fait, à la réflexion, menottes en deux, ça peut plus faire. Dommage, menottes, mes parents, initial SPB, Maria. C'est vrai que ça fait plus progressif du coup. Droite lignée du Normandie, du soutien aussi que personnellement ils m'ont apporté avec mes différents projets qui étaient Born in Alaska, Bye Bye Leon, maintenant Bison Chic. On est venu répéter et faire une résidence pour préparer les auditions du Printemps de Bourges. Vu que je suis Saint-Lois et qu'on a ce lien avec le Normandie, bah, Nicolas, Anthony ont proposé qu'on vienne s'entraîner ici. Donc du coup vous avez décidé quoi? On a interverti. T'as dit dommage, Maria, menottes, mes parents, SVB, non. On a interverti la balade Maria avec la balade SVB. Et puis l'idée, c'est de relancer un peu la filière aussi. Aujourd'hui, il n'y a plus de travail pour personne dans le spectacle vivant. Et le fait d'avoir un cachet, ça remet peut-être un petit coup de boost et ça les relance un peu dans leur métier, parce que c'est d'abord des musiciens et des professionnels qui font un métier. Leur métier, c'est de jouer devant du public. La pandémie, on la vivait différemment avant, même si c'était pas dans la maladie, c'était dans les mots, MAUX, MOTS, d'une société un peu qui ne sait plus trop où aller, qui a besoin de renouveau. La question sociale, elle est dans l'air du temps, et en même temps, je ne vais pas dire nos politiques, mais on a l'impression qu'elle n'est pas là non plus. Il faut soigner les mots, mais que personne ne le fait, ou en tout cas, pas les gens dont on attend. Il y a plein de petites associations qui le font. Et ben moi, à mon niveau, eh ben, j'espère que je réponds à une question sociale, en tout cas au moment où je fais la scène. Et c'est pour ça que je suis content de faire de la scène, parce que je m'y attendais pas.